Bonjour, ici Lolo du 1551 et aujourd'hui je vais vous présenter l'application Config HTC HD donc, qui est disponible en fait gratuitement sur la source de jailbreakdevice.com que vous retrouvez dans le lien vert en haut si vous ne connaissez pas la source. Donc vous faites installer, confirmer. Et en fait, cette application-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vous permettre simplement de configurer n'importe quel thème qui utilise le widget HTC en fait. Donc tous les thèmes Winterboard que vous avez qui utilisent le thème HTC comme le Hansen Color, puis le Ultime Fusion Color HD, puis tout plein de thèmes qui utilisent le widget en fait HTC. Donc moi je vais prendre exemple sur Hansen Color. Donc c'est une application qui va permettre de configurer le thème très simplement. Donc moi je viens de télécharger le Hansen Color, donc je vais l'appliquer. Puis on va voir que c'est pas, c'est vraiment une application qui est superbe. Il y a vraiment beaucoup de monde qui vont être intéressé par cette application-là, puisque c'est vraiment très simple à configurer. Donc là, le thème il a été configuré, enfin il a été installé, pardon. Et on peut voir que là, c'est la ville de Montréal, simplement. Puis vous, chaque fois vous voulez mettre votre ville, etc., ce qui est normal, parce que le thème est fait pour. Donc simplement, vous téléchargez le thème config HTC HD. Vous lancez l'application, puis là ça va vous demander de sélectionner votre thème. Donc vous sélectionnez le thème que vous avez appliqué. Donc là vous mettez en Celsius ou en Fahrenheit. Donc ça dépend, Celsius c'est en France, puis Fahrenheit c'est plutôt en Amérique. Et puis là vous pouvez choisir l'intervalle des mises à jour en fait du temps. Donc moi je vous conseille de ne pas le mettre trop rapproché parce que sinon ça va vous manger plein de batterie. Donc vous laissez à 15 minutes, c'est bon. Puis là après vous avez en haut entré le code de météo en fait, simplement. Puis là on peut voir que c'est Canada. C'est CAXX0301 pour la ville de Montréal. Alors pour trouver votre ville, ce que vous allez faire en fait, simplement vous allez aller sur mon site internet jailbreakdevice.com. Puis dans la marge ici, vous avez configuré le thème Weather Color HD. Donc on s'en fout, c'est pas ça qu'on veut nous. On veut simplement aller sur le site en fait pour trouver le VAR local de son le code en fait de sa ville. Donc vous descendez un petit peu, puis là vous avez trouvé le VAR local code de votre ville. Donc vous cliquez là-dessus, ça va vous emmener sur un site internet, puis là vous avez tous les codes en fait, puis vous trouvez votre ville là-dedans et à côté vous aurez le code. Puis vous pouvez tout simplement entrer une localisation ici. Donc admettons que je tape 93 200, qui est ma ville, donc Saint-Denis. Simplement, là, il me dit no food, entrée location. Donc, admettons que je tape SAINT-DE Saint-Denis. Ouais, faut pas entrer son code postal. Apparemment, il n'y a pas de section de recherche. Faut tout simplement sélectionner sa ville en fait dans le tas. Donc, le site, je sais pas trop comment exactement l'utiliser, mais admettons que je tape France, peut-être. Voilà, donc vous tapez France, puis après, vous avez par exemple. Vous avez le VAR code de Paris, France, puis vous cherchez un petit peu exactement, je sais pas trop comment utiliser le site, mais sur ce site-là, vous allez pouvoir en tout cas trouver votre code, tout simplement. Donc, admettons, simplement, moi, je vais configurer le code de ma ville, donc je vais vous supprimer, en fait, le code qu'il y a là, puis vous entrez le VAR code de votre ville. Donc, moi, on a vu tout à l'heure que sur le thème, c'était Montréal, puis là, je vais entrer le VAR code de ma ville à moi, donc juste aller chercher le code. Je vous demande de patienter 30 petites secondes. Alors, évidemment, j'y ai pas accès. Si, alors, var, c'est que moi en fait je l'ai déjà configuré dans mon thème. Puis je vais juste aller le chercher. Donc c'est vraiment, ça évite, avant il y avait la possibilité de le faire par SSH, etc. Puis c'était compliqué. Là c'est vraiment très très simple. Donc vous avez juste à entrer le VAR code en fait de votre ville, puis tout simplement c'est fini, c'est configuré. Donc moi ma ville c'est Saint-Denis comme je vous ai dit. Donc mon VAR code à moi, donc, par contre faut le taper en majuscule, donc c'est FR XX XX 0087. Simplement, vous cliquez sur appliquer, puis vous faites un respring, vous cliquez sur oui, ça vous demande si vous voulez faire un respring maintenant, vous cliquez sur oui, ça va faire un relancement de Springboard, puis normalement ma ville elle est configurée. Faut juste attendre qu'il me load le thème, puis voilà, là il me trouve maintenant Saint-Denis, puis c'est 16 degrés, que comme il y a des thèmes, des fois c'est en Fahrenheit, là ça va vous le mettre en degrés Celsius pour la France.
simplement. Puis là, on peut voir qu'il a bien mis ma ville. Donc ça sert vraiment à configurer en fait tous les thèmes qui ont le widget du HTC. Donc c'est vraiment sympa comme application. Puis ça permet vraiment de configurer n'importe quel thème qu'a le widget du HTC, ce qui est vraiment pratique, puisque dans les commentaires c'était fou le nombre de personnes qui me demandaient comment configurer sa ville, etc. Et cette application-là résout votre problème. Donc comme je vous dis, vous téléchargez en fait sur ma source config HTC HD. Simplement, vous allez pouvoir très facilement configurer votre thème sans passer par SSH, tout un tas de trucs qui étaient chiants à faire pour les personnes qui ne s'y connaissent pas vraiment. Donc c'est ça, c'était le lot du 451 pour vous présenter l'application config HTC HD. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner en haut, ce qui vous permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais faire pour les iPhone, iPod Touch et iPad. Puis visitez également mon site internet jailbreakdevice.com.